Coucou les petits loups! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 165 d'apprends Ensemble où, comme d'habitude, on révise des flashcards de santé accompagnés de l'IA pour nous aider. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est quoi la sérotonine? Alors, la fameuse sérotonine. Alors, euh, la sérotonine, déjà, c'est un neurotransmetteur et elle joue euh, un rôle très important. Dans, euh, la régulation de l'humeur, euh, le sommeil et ça me fait penser aussi avant que j'oublie si je dis pas de bêtises le précurseur de la sérotonine est le tryptophan. je suis en train d'hésiter en disant ça euh, mais je crois que c'est bien ça hein. d'où l'effet un peu relaxant, sédatif du tryptophan, je sais pas euh, la sérotonine aussi a un effet euh, joue sur le sommeil voilà euh, la sérotonine aussi euh, Régule euh, l'appétit. J'avais vu ça dans une vieille étude. Euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Vraiment, je ne sais pas du tout. Donc c'est à approfondir pour euh, l'appétit. Il y a tellement de, de, de neurotransmetteurs et d'hormones qui, qui influent sur l'appétit, je trouve. Et bien entendu les douleurs, et ça c'est très intéressant. Donc euh, voilà, un taux de sérotonine est vraiment intéressant. En pratique, euh, je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, mais on peut. Non, j'allais dire une bêtise. Non, je vais juste conclure sur le fait que ça contribue euh, au bien-être, d'avoir un taux euh, normal en fait, hein, de sérotonine. Euh. Ouais, on va passer à la vérification. C'est parti. C'est quoi la sérotonine La sérotonine est un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. La sérotonine, aussi connue sous le nom de 5-hydroxy-tryptamine (5HT), est une molécule qui transmet des signaux dans le cerveau. Elle est synthétisée à partir de l'acide aminé tryptophane, présent dans divers aliments comme les noix, les graines et les produits laitiers. Une fois produite, la sérotonine est stockée dans des vésicules au sein des neurones et libérée en réponse à des stimuli pour moduler diverses fonctions physiologiques. La sérotonine fonctionne selon le principe de clé-serrure. Elle se lie à des récepteurs spécifiques, les serrures, situées sur les membranes des neurones et d'autres types de cellules. Ces récepteurs sont désignés par des sous-types, comme 5HT1, 5HT2, etc., chacun ayant des effets distincts. Le terme sérotonine provient du latin serum et du grec tonos, tension, car elle fut initialement découverte pour son rôle dans la modulation de la pression sanguine. Identifiée pour la première fois dans les années 1940, elle a depuis intensivement étudié pour son implication dans la régulation de l'humeur et son lien avec les troubles comme la dépression et l'anxiété. Pense à la sérotonine comme à un DJ lors d'une soirée dansante. Elle contrôle la musique, humeur, ajuste l'éclairage, sommeil et supervise les snacks, appétit. Si le DJ ne fait pas bien son travail, la fête, ta vie quotidienne, peut rapidement tourner au désastre. En médecine, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. IS sont couramment utilisés comme antidépresseurs ces médicaments augmentent la concentration de sérotonine dans l'espace synaptique améliorant ainsi la transmission des signaux et potentiellement l'humeur du patient. conclusion la sérotonine est un neurotransmetteur essentiel pour la régulation de nombreuses fonctions corporelles en particulier l'humeur le sommeil et l'appétit. son bon fonctionnement est crucial pour le bien-être général imagine une serrure sur une porte le récepteur et une clé, la sérotonine, qui s'emboîte parfaitement pour ouvrir la porte et déclencher une réponse cellulaire. Pour te rappeler le rôle de la sérotonine, pense à l'acronyme A oh, sommeil, appétit, moral. Si tu retiens SAM, tu te souviendras des trois fonctions principales de la sérotonine. Quel est le principal acide aminé précurseur de la sérotonine Le tryptophane. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut absolument que je fasse une flashcard sur le tryptophane, parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Bref, parle-moi un peu plus euh, du rôle euh, de la sérotonine concernant la régulation de l'appétit, s'il te plaît. La sérotonine joue un rôle important dans la régulation de l'appétit. La sérotonine influence l'appétit en agissant sur les récepteurs spécifiques situés dans le cerveau, en particulier dans l'hypothalamus, une région clé pour la régulation de la faim et de la satiété. Lorsque la sérotonine se lie à ses récepteurs, elle peut induire une sensation de satiété, réduisant ainsi la sensation de faim. Dans le contexte de l'appétit, les récepteurs de la sérotonine, notamment 5HT2C, agissent comme des serrures spécifiques. Lorsque la sérotonine, la clé, se lie à ses récepteurs, elle déclenche une série de réactions qui signalent au cerveau que le corps est rassasié, réduisant ainsi l'envie de manger. La découverte du rôle de la sérotonine dans l'appétit a été une avancée significative dans la compréhension des mécanismes biologiques de la régulation alimentaire. Les premières études sur les animaux dans les années 1960 ont montré que des niveaux accrus de sérotonine réduisaient la consommation alimentaire. Imagine la sérotonine comme un petit chef dans ton cerveau. Quand tu manges suffisamment, ce chef te dit C'est bon, tu as assez mangé, il est temps de fermer la cuisine. Si le chef est distrait ou absent, tu pourrais continuer à manger sans faim. Les agonistes des récepteurs sains HT2C, tels que la lorcasérine, ont été utilisés comme traitement pour la perte de poids. En stimulant ces récepteurs, ces médicaments augmentent la sensation de satiété, aidant ainsi les personnes à contrôler leur appétit et à réduire leur apport calorique. Conclusion. La sérotonine est cruciale pour la régulation de l'appétit, jouant un rôle majeur dans la sensation de satiété. Un bon équilibre de sérotonine peut aider à maintenir un poids corporel sain. En contrôlant les signaux de faim et de satiété. Imagine une balance avec d'un côté la sérotonine et de l'autre l'appétit. Plus la sérotonine augmente, plus l'appétit diminue, équilibrant ainsi ton besoin alimentaire. Pense au mot serre pour sérotonine, équilibre et régulation. Cela te rappellera que la sérotonine aide à équilibrer et à réguler ton appétit. Ok, intéressant tout ça. Par contre, la lorcasérine, je connaissais pas du tout ce médicament. À vrai dire, je ne connais rien en médicament. J'ai noté ça quand même au cas où pour en faire une flashcard euh, quand j'aurais plus d'idées. Et avant que j'oublie, euh, concernant l'étymologie de la sérotonine, je suis surpris qu'elle a été euh, découverte par son rôle de modulation de la pression sanguine. C'est intéressant de savoir ça. Ça peut même la rendre un peu plus mémotechnique. Euh, bref, passons à la flashcard inédite. C'est parti. C'est quoi la lactate Alors, la fameuse lactate. Euh... Donc, déjà, la lactate, c'est aussi ce qu'on appelle parfois l'acide lactique. Euh, en termes d'étymologie, euh, je ne sais pas trop son histoire, mais je crois bien que son nom a été donné par rapport au lait en fait. Et on, on voit bien qu'il y a une ressemblance euh, lactate, lactose, lactose, lait. À voir ce que nous dit l'IA par rapport à ça. La lactate, elle est hyper importante car elle est présente dans plusieurs processus biochimiques. Je sais plus dans quel cycle on l'a vu récemment. Euh, je crois que c'est le cycle Redox, mais. Oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Euh, bref, passons. Sinon, en termes d'aliments qui contiennent la lactate, euh, je pense que c'est tout ce qui est euh, euh, vivant, fermenté. Donc, euh, je pense au kéfir, choucroute, euh, les fameux yaourts euh, probiotiques fermenté euh, qui tient bien leur nom hein, aussi parce que ça contient du lactose. Je sais vraiment plus dans quel processus biochimique on avait vu la lactate, mais euh, on avait fait un petit euh, aparté euh, disant que la lactate jouait un rôle euh, important dans euh, la production d'énergie euh, au niveau musculaire. Et euh, en pratique, je sais pas quoi dire à part que l'industrie alimentaire euh, raffole de l'acide lactique et en met partout. Faut pas que j'oublie de demander à l'IA euh, ses appellations euh, au niveau européen en additif, c'est-à-dire E, euh, etc. etc. Car euh, vu qu'elle est utilisée beaucoup en industrie alimentaire pour différentes euh, différents usages, pardon, elle a plusieurs euh, appellations numérotées. Donc euh, j'en ai aucun en tête et ce serait bien de les avoir de côté. Que dire d'autre Je sais pas. Je sais pas quoi dire d'autre là. Oui. On va passer à la vérification. C'est parti. C'est quoi la lactate Le lactate est un produit de la fermentation lactique, un processus métabolique qui convertit le glucose en énergie en absence d'oxygène, produisant de l'acide lactique comme sous-produit. Le lactate est un ion dérivé de l'acide lactique qui est produit dans les muscles pendant l'exercice intense lorsqu'il y a une demande accrue en énergie et que l'oxygène disponible est insuffisant pour la respiration cellulaire aérobie. Pendant la glycolyse anaérobie, le glucose est converti en pyruvate qui est ensuite transformé en lactate par l'enzyme lactate déshydrogénase, mmh. LDH. Ce processus permet de régénérer le NAD+ nécessaire à la glycolyse, permettant ainsi à la cellule de continuer à produire de l'ATP. Dans le cas du lactate, l'enzyme lactate déshydrogénase, LDH, fonctionne selon le principe de clé-serrure. Le pyruvate, la clé, se lie au site actif de LDH, la serrure, catalysant la conversion en lactate. Cette interaction spécifique assure l'efficacité du processus métabolique. Le mot lactate dérive du latin lac, lactis, signifiant lait, car l'acide lactique a été initialement isolé à partir du lait aigri par le chimiste Carl Wilhelm Scheele en 1790. La compréhension de son rôle dans le métabolisme musculaire s'est développée au cours du 20e siècle. Pense au lactate comme à un plan B pour ton corps pendant un marathon. Quand l'oxygène devient rare, ton corps active cette solution de secours pour continuer à produire de l'énergie. C'est comme avoir un générateur de secours pour alimenter ta maison pendant une panne de courant. Le niveau de lactate dans le sang est souvent mesuré pour évaluer l'état métabolique des patients dans des situations critiques, comme lors d'un choc septique ou de maladies cardio-respiratoires. En médecine du sport, L'accumulation de lactate est utilisée comme indicateur de la performance et de la fatigue musculaire. Conclusion. Le lactate est un métabolite crucial dans la production d'énergie anaérobie, permettant aux muscles de continuer à fonctionner lors d'un effort intense. Comprendre sa production et son rôle est essentiel pour de nombreux domaines de la médecine et des sciences du sport. Imagine une usine, ton muscle, où l'oxygène, carburant principal, manque. Le lactate est comme une batterie de secours permettant à l'usine de continuer à fonctionner jusqu'à ce que le carburant principal soit rétabli. Pour te souvenir du rôle du lactate, pense à LAC, L-imitation d'approvisionnement en carburant, oxygène. Cela te rappellera que le lactate est produit lorsque l'oxygène est limité. Quel est le rôle de l'enzyme lactate déshydrogénase, LDH, dans la production de lactate euh, Alors du coup, si j'ai bien compris, l'enzyme LDH donc lactate déshydrogénase en se liant au pyruvate qui lui-même a été converti par le glucose la LDH donc lactate déshydrogénase déshydrogénase pardon régénère le NAD+ ce qui est ben extraordinaire car étant obligatoire à la glycolyse ça permet au final à la cellule de produire de l'ATP Exactement, tu as parfaitement compris. Pour approfondir, voici un résumé détaillé. Glycolyse anaérobie. En l'absence d'oxygène, le glucose est dégradé en pyruvate via la glycolyse, produisant une petite quantité d'ATP et du NADH. 2. Conversion du pyruvate en lactate. Le pyruvate est converti en lactate par l'enzyme lactate déshydrogénase, LDH. Cette réaction permet de réoxyder le NADH en NAD. 3. Régénération du NAD. La régénération du NAD, est cruciale car elle permet à la glycolyse de continuer. Sans NAD, la glycolyse s'arrêterait et la cellule ne pourrait plus produire d'ATP en conditions anaérobies. L'analogie de la clé serrure s'applique ici, où le pyruvate, la clé, se lie à l'enzyme LDH, la serrure, permettant la conversion en lactate et la régénération du NAD. Cela assure que la cellule puisse continuer à produire de l'énergie même sans oxygène. Pour récapituler, le terme lactate vient du latin lac signifiant lait, et l'enzyme LDH a été étudiée en profondeur au XXe siècle pour comprendre son rôle crucial dans le métabolisme énergétique, notamment en conditions de faible oxygène. Imagine le LDH comme un super héros métabolique qui intervient quand l'oxygène est à court, régénérant le NAD, et sauvant ainsi la journée en permettant à la cellule de continuer à produire de l'ATP. En médecine, mesurer les niveaux de lactate sanguin peut aider à diagnostiquer des états de choc ou des dysfonctionnements métaboliques. En sport, cela aide à évaluer l'endurance et la capacité de récupération des athlètes. Conclusion tu as bien compris La LDH permet de convertir le pyruvate en lactate, régénérant le NAD+ essentiel pour la glycolyse et permettant ainsi la production continue d'ATP en conditions anaérobies. Pour te rappeler ce processus, pense à l'AT régénère adénine dinucléotide. Na+. Cela te rappellera l'importance de la LDH dans la régénération du NAD. Tes réponses montrent une excellente compréhension des concepts. Continue sur cette lancée et tu seras prêt pour tes examens sans problème. <laughs> Alors, c'est hyper intéressant. Euh, moi, je trouve ça un peu compliqué comme c'est euh, nouveau. Il va falloir euh, retomber dessus plusieurs fois pour que ça rentre bien. Et euh, pour terminer cet épisode, je voulais faire un petit aparté intéressant sur euh, le moyen mnémotechnique que Lia nous a proposé pour mémoriser la lactate, notamment son rôle majeur. Euh, elle nous proposait l'acronyme LAC pour euh, limitation d'approvisionnement en carburant, entre parenthèses oxygène, pour nous rappeler que le lactate est produit lorsque l'oxygène est limité. Et en plus de ça, On a l'étymologie qui nous rappelle que... Lactate est dérivé du latin lac qui signifie lait parce qu'il a été découvert, isolé, à partir du lait aigri. Donc je trouve ça hyper parlant parce que ça rebondit à la fois sur un moyen mnémotechnique et à la fois sur euh, l'étymologie et l'histoire de, de la la, du lactate, pardon. Euh, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao